Éliminé prématurément l'an dernier en compétition africaine, Maniema Union voudrait améliorer son prestige cette année. Depuis son quartier général à Bibwa, ici à Kinshasa, après une première partie de la préparation passée à l'est du pays, le club dirigé par Daoula Lupemba tient à élever les niveaux. Avant de prendre la destination du Gabon, c'est mardi 7 septembre, l'heure était ce matin au dernier réglage. Autour d'un bon repas, après avoir dispensé la matière tôt le matin, l'ensemble de l'équipe et les staffs techniques, tous déterminés à faire bonne figure au Gabon. L'état de la santé de l'équipe, ça va, tout le monde sont en bonne santé. Jusque-là, il n'y a pas de malades et puis il n'y a pas de blessures. Il faut être patient parce qu'on a construit un bon groupe. Nous, c'est d'abord le groupe, ce n'est pas l'individualité. Notre objectif de cette année, il faut que nous passions étape par étape. Comme nous sommes dit, on est à la compétition africaine, à la Champions League. Nous, auparavant, on était souvent parti jouer la compétition, la Confédération plutôt. La Confédération, maintenant, on joue la Champions League. Notre objectif de cette année, il faut que nous passions la première étape et puis voir la deuxième étape. Détermination de tous bords, athlètes, accompagnateurs, tous unanimes à faire une bonne opération au Gabon le week-end prochain. Ricky Toulengui, joueur de l'équipe. Moi, ça va, préparation. Et l'équipe bien, malgré à côté de la 4-4. Mais je suis allé à ma ça va vie, na staff Mobimba. Je dois préparer l'équipe de la Kitoko. Donc, nous avons 4 terrains, nous avons l'équipe de la Kitoko. Donc, tu as contribué où il est nécessaire pour toute la qualification de la Libanda. Qualification Libanda, Nakati, Panabiso, pour ça la facile. Où ils ont promettu les Congolais, surtout les bateaux, les commissaires, les Maniema Union, ils ont besoin de qualification. Pour qualification, c'est le Congo Libanda. Donc, jamais eu le Congo pour la Kuna pour gagner à Togo, le Congo qualification, Kuna, surtout aux 3 points déjà Kuna, où ils ont besoin déjà facile pour trouver Nakati. Après les repas, cap vers l'aéroport de Ndjili et les vols pour le Gabon. Ce dimanche, il faudra affronter la première manche Bouingidi qui attendra à domicile avant d'envisager de terminer à Kindu pour la manche retour et gagner les tickets pour la prochaine étape de la compétition.